La dernière fois, on a affronté un titan électrique, on a récupéré encore plus de cubes qui permettent à Luffy de devenir à nouveau fort, et nous sommes allés à Alabasta, pendant littéralement des heures dans le désert. Bon, donc aujourd'hui, Adio, je suppose qu'on va affronter un autre titan, et puis qu'on va à Enies Lobby, donc le meilleur arc, et en plus, là, j'ai le Gear Secondo, c'est vrai. Ça va être le moment le plus fun du jeu, j'avais oublié. Ok, là, on va s'amuser. Comment tu as fait pour trouver le colosse, Adio? Oh, je savais où il était. C'est le boss, c'est vraiment le boss, c'est chaud. C'est sûr, même l'équipage, ils ont des doutes. Ça fait bien longtemps que les boss twistent comme ça, je les vois venir à des kilomètres. Dans Pokémon, déjà, j'en avais vu certains venir. Là, bon, là, c'est même encore plus évident. On va pouvoir servir de ce gros fruit, là. Donc, c'est pas un fruit, c'est bien décevant. Bon, eh ben, c'est parti. C'est l'heure de faire un donjon pour enfants, puis de fumer un titan. Ça va être facile. J'espère que les ennemis vont encore me filer 40 millions d'XP, ce serait cool. Waouh, les ruines d'Alabasta. Ouais, c'est les mêmes. Ok, c'est bon. Je maîtrise les déserts. Je commence à être un expert. Ok, let's go, le colosse devrait être ici. J'ai fait beaucoup d'explorations dans ce donjon. Et je peux vous dire que vous allez voir. Mais les persos sont effectivement aussi forts que dans l'intro. On a toutes les mêmes attaques. On est super puissants. Après, en soi, on les a déjà vus dans l'intro. C'est toujours les mêmes. Mais maintenant, on peut les utiliser vraiment en connaissant comment on joue. Et oui, j'ai aussi découvert que quand t'as les points de compétence à fond, enfin les points de technique à fond, t'es plus fort. Donc maintenant, je les max un max. Par contre, maintenant, on a aussi Storm. Donc c'est parti. Let's go. On a débloqué ça grâce à Croco. Allez, je sais pas si c'est vraiment très fort en réalité. Oh, c'est pas mal. En vrai, ça va. Mais bon, je préfère peut-être claquer des Jet Bazooka ou des trucs comme ça. Vas-y Robin, one shot tout le monde. Bam, terminé. Oh, presque. Et le pire, c'est que je n'ai pas les meilleurs équipements que je pourrais avoir sur moi. J'ai fait exprès, parce que je suis trop fort. Ah, évidemment, Adio, voilà, bon. Toujours là, en mode je suis le boss final, je one shot tout le monde, hein, voilà, on connaît les bails. Allez, dernier Dugong, ça dégage. Ça fait plaisir d'avoir à nouveau toutes ces compétences. Ah, on va éclater Lucci dans cet épisode. Allez, sortilège, sauce, insomniaque, Demon Slash. Ouais, c'est fort, c'est fort. C'est même pas du haki, malheureusement, mais c'est cool, c'est stylé. Allez, c'est parti, Colosse, on te fume. Ah, ben le voilà, enfin. Oh, il est type vent, et il est cool celui-là, j'aime bien son style. Il a du flow. Il est peut-être vert, et j'aime pas trop le vert, mais il a du flow. Ok, c'est parti, c'est l'heure, on va l'éclater. Ça va être aise, comme d'hab. Les Colosses, ça a jamais été un souci. Allez, c'est parti. Ok, déjà, c'est l'heure. Le twist que je gardais dans mon sac depuis tout ce temps. Le Monster Point de Chopper. Il va l'éclater. Non, qu'est-ce que tu fais? Frappe pas Chopper. Ok, il a juste frappé Luffy, mais tout va bien. Et le deuxième twist que je gardais, dont je ne vous ai pas parlé. L'attaque suprême. Usopp, Zoro, Luffy. Le duo, le trio, à peu près probable par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça fait pas beaucoup de dégâts. Ok, on est dans la sauce. Sanji, c'est ton heure de gloire. Utilise ton diable jambe. Et ça, ok, bon, ça va prendre du temps. Adio, vas-y, c'est l'heure. Fais... Qu'est-ce qu'il fait? J'ai jamais vu cette attaque. Qu'est-ce que... Grande. C'est un bouclier, vraiment. Oh, je pensais que ça allait être un truc de ouf. Bon, c'est pas grave, ça va passer, facile. Voilà, bam, des petits jets bazooka et il va mourir. C'est l'heure, Zoro. Montre-nous toute ta puissance. Il a des nouvelles attaques qui sont uniquement mono-cibles. Donc il est super pour les boss, mais bon, en AOE, il est moins bien qu'avant. Ou quoi que... Enfin, il est pareil, mais bon. Sanji peut faire la même chose maintenant. Et il est résistant, ce colosse. Il va vraiment falloir que je me fasse des meilleurs équipements. Ok, ce que j'ai actuellement ne suffit plus. C'est pas grave. J'avais de la ressource, justement. Je voulais juste me laisser un challenge. Oula, il lance son attaque suprême. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou. Et il fait juste une tornade? C'est pathétique, frère. J'en ai vu des tornades dans ma vie. Et je vais mourir. Zoro est mort. Ok. Chopper, vas-y, heal nous. Let's go. Ah, il est fort. Il devient super fort, Chopper. Vraiment, je pense que je vais le garder dans la team. Il est OP maintenant. Allez, Luffy, c'est ton heure de gloire. Hop là, KO. Ok, c'est gagné. Et bonus d'XP. Merci, merci beaucoup. J'en avais besoin. Ok, easy, facile. J'ai pas du tout sué. Je ne suis pas trempé du tout. Non, c'est pas vrai. Heureusement qu'il n'y a pas la cam. Allez, des cubes. Tous à Enies Lobby. Enfin, Water 7 d'abord, je suppose. Oh, ils vont appeler Akainu. Allez, papy, appelez des trucs plus forts. Parce que c'est vrai que les vieux ont l'air de giga s'inquiéter de ce qui se passe sur l'île. Ils m'envoient qui? Ils m'envoient Smoker. Genre, bon, désolé Smoker, mais t'es pas trop l'homme de la situation. Wesh wesh, envoie-moi à Enies Lobby et que ça saute, j'ai envie de taper du guépard. Allez, cet endroit, oh non, Water 7, O7, oui, c'est un sacré nom. Ah, mais j'adore, c'est mon arc préféré, donc honnêtement, ouais, c'est mieux qu'Alabasta. Allez, let's go, prends-toi Water 7, wouh, let's go. Non, j'ai peut-être pas le droit de dire, ouais, YouTube.
Ouais, Robin, tu te fais pas enlever. Hein. T'es assez forte, je pense, maintenant pour gérer. Je sais qu'on n'a pas toutes nos forces, mais tu fais quand même des trucs beaucoup mieux qu'un Water 7, donc tu arrêtes, tu ne meurs pas. Tu les éclates. Tu le one-shot, Lucci. Tu fais ta technique qui écrase les boules et tu le tues. Oh, on a des nouvelles attaques. On a le Ashura de Monsieur Zoro. Ok, cool, cool. Allez, chapitre 4, let's go. Ouais, Water 7, ça a jamais été aussi beau dans un jeu One Piece. À chaque fois, c'est trop moche. En Pirate Warriors, c'est moche. Pourquoi il y a le vélo d'Aokiji? Il est là? Ah, bah, il va falloir dire au revoir au Vogue Mary. Hein. Eh, il est en sueur. Des os ou soap? Ah, on a le droit à une petite cinématique pour rappeler... Les dramas qu'il y a eu. Mais là, pas de problème, tout va bien. On va pas affronter Usopp à nouveau, j'espère. Parce qu'il va me péter la bouche sinon. Allez, objectif Lucci, let's go. On fume le CP9 à nouveau. J'espère qu'il n'y a pas que Lucci quand même. Parce que la dernière fois, il y avait genre juste Bonclay et Crocodile et c'est tout. Mais je comprends, faire 40 bandits et un dinosaure qui croise les bras était plus important que faire Mr. One. Ouais, c'est logique, logique. Wow, et en vrai, ça rend trop bien. J'aimerais bien vivre ici, mais genre dans la vraie vie. Waouh, 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 j'aime beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît? J'ai besoin. Ah, il y a Kaku, voilà, enfin. Ok, bon, il y a des parasites qui viennent d'arriver. Mais c'est Aokiji? T'as quoi contre Aokiji, wesh? Ah, ça rend bien, ça rend bien. Bon, du coup, visiblement, ça va être très différent, cet arc, vu qu'il y a Aokiji, que le CP9 va pas capturer Robin, je suppose. Je sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir de gros changements. Lucci et Shelmer, d'accord, ok, ça sent le mauvais plan, mais allons le voir, let's go, c'est parti, merci mamie. Ben voilà, j'ai trouvé, c'était pas si difficile, attends, non il y a Aokiji, demi-tour, j'ai pas la force de le tuer. Bon d'accord, j'y vais, attendez, c'est bon, il dort, on passe, allez hop, regardez-le, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, les mecs! Oh, vous êtes-tu là? Bon, tu veux quoi, Aokiji? Je suppose qu'il va... Attends, il va embarquer Robin? Parce que s'il fait ça, on est dans la sauce. Quoi? Mais Aokiji, c'est quoi ton problème? Pourquoi? Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La dernière fois, il avait été sympa, il va peut-être faire la même chose. Ok, j'ai rien dit, on est dans la sauce. Ouais, ça c'est chaud. Allez, on l'affronte! Contre un amiral alors qu'on est même pas à full power. Si on était full power, on pourrait probablement le vaincre. Là, c'est mort. Allez, Aokiji, let's go! T'es prêt à bouffer du Gear Secondo? Il va avoir son Logia, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, ça j'aurais pu m'en douter. Et là, il va one-shot, du coup, je suppose. Ah! J'espère qu'on pourra affronter les amirals à Marineford et j'espère qu'on pourra gagner. Parce que. Les amiraux, je parle même pas bien français, moi. Vas-y, Chopper, frappe! Yeah! Allez, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut. Ok, Zoro, à toi! Claque-nous tes nouvelles techniques! Ouais, Ashura! Oh, très bon dégât, incroyable! Maintenant, Ultra Tiger Slash! Ok, ok, d'accord. C'est bon, on peut le battre. Ok, bon après je suppose que même si on le bat, dans tous les cas, après la cinématique, ils vont me dire, bah non, t'es nul, allez, dégage. Ok, on a perdu, apparemment. J'étais en train de l'éclater, mais le jeu a décidé que même s'il était pas vaincu, j'avais fini. Voilà, Luffy qui, même s'il n'est pas full power, arrive à gérer Aokiji. Stylé, ok, stylé. Il est encore plus fort qu'avant, bah oui, c'est ce qu'on nous avait dit, effectivement. Mais ouais, je suis full power, moi je le pense. Un petit Luffy post-Whole Cake, en vrai, avec tout l'équipage, ils peuvent battre un amiral. Tous ensemble, mais je pense qu'ils peuvent. Ah, bah ouais, mais là, évidemment que ça allait finir comme ça, ouais, bah oui, bah oui. On va avoir un problème, je veux bien ramener tout le monde gelé sur le mairie, mais il n'y a plus de mairie, il a disparu. Oh, génial, la Franky Family, ils ont encore tabassé Usopp. Allez, on les fume, let's go, on n'a pas de temps là, Luffy va mourir, il est probablement même déjà mort. Hein. Bon, mais c'est pas grave, c'est One Piece, tout va bien se passer, c'est bon. Allez, ça dégage, vaincu par Chopper, oh non, même pas, il est encore en vie. Ok, si. Voilà, la provoque, vaincu par un petit renne. Bon, gros BG, est-ce que tu peux... Et attendez, c'est pas... Mais attendez... C'est un giga chad en fait. Je viens de réagir, mais c'est en fait le prof dans Pokémon depuis le début, juste il a les cheveux bleus. Bon bah merci monsieur Iceberg, on est sauvé. Ok, génial. Je viens à peine de réagir que le mec en fait était BG depuis le début. Par contre, il a un rouge à lèvres violet, ça lui va pas trop. C'est vraiment le seul problème. Sinon, il a tout pour lui. Ok, bon, on va attaquer Franky par contre. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? On a récupéré Luffy, mais on n'a pas Robin. Elle est où? Elle s'est fait enlever? Allez, on va chercher Usopp. Laissez-nous passer. Et, bon, en vrai, je pense qu'il gère. Usopp, c'est un dieu. C'est littéralement un dieu. Il va tous les one-shot. On va arriver, le travail sera déjà fini. Et hop là. Ah, non, il en reste un. Oh, mais tu forces. Attendez, pourquoi j'ai pas Luffy dans la team? C'est vrai que c'est bizarre. Non, ça va pas du tout. Voilà, il est de retour. Allez, ça dégage. Merci à tous. Ok, rendez-moi Usopp. Et après, on va fumer un guépard.
Bienvenue dans les backrooms. C'est juste des égouts, je sais, mais ça me rappelle vraiment le jeu des backrooms. J'étais traumatisé par ce jeu. Genre, sérieusement, il y avait des niveaux, ils étaient horribles. Et le niveau des égouts, on faisait partie. Ah, le mairie. Ah, Franky. Bon, bah, cette fois, Franky sera un boss parce qu'on n'a pas le réel Franky avec nous. Ok, c'est parti. On l'éclate. Allez, on le fight, on le fight. D'ailleurs, on devrait bientôt récupérer le vrai Franky, logiquement, parce que il est level quoi, 45. Je suis level 31, donc c'est bientôt. Allez, c'est terminé. Bam. Oh, il en reste plus qu'un. Franky a tenu moins longtemps qu'un de ses sbires. Regardez-le. Il est plus fort que Franky. Ce mec a la force de, je sais pas, de Akainu, je pense. Allez, c'est bon, c'est fini. Nami est forte, donc il n'y a pas de problème. 15 000 points d'XP. Je le vole pas. D'accord, ok. Bon, maintenant qu'on a éclaté Franky, qu'on aurait pu Poussop et le mairie, est-ce qu'on peut aller à Enies Lobby? Le fait que Robin soit toujours pas avec nous me rassure pas non plus. Allez, du coup, Franky devient sympa. Oui, parce qu'il avait parlé avec Usopp de base, il était le bro de Usopp. Ouais, voilà, il est trop triste, ouais, quel frérot. Bon, allez, c'est parti, maintenant c'est Lucci, logiquement. Ah, bah tiens, voilà le CP9, on dirait. Est-ce qu'ils ont Kaku avec eux? Ah, oh, il y a tout le monde. Ok, il n'y aura même pas besoin d'aller les chercher, en fait, ils sont venus à nous. Par contre, normalement, là, ils se sont fait éclater, puis après, on est dans le train, donc... il faut bien qu'on aille à Enies Lobby un jour. Je pense qu'on perd là. Après j'ai le Gear Secondo, mais bon, on sait tous que je vais quand même perdre. D'ailleurs, est-ce que je vais avoir le Gear Third? Ou est-ce que ce sera ma récompense pour Marineford? Parce que j'aimerais bien avoir des techniques de ouf à Marineford, genre le Haki. Sauf que, bon, vu que j'ai pas encore le Gear Third, je pense qu'on va juste me filer ça. Ça m'étonne qu'on me laisse gagner le combat, parce que je pensais qu'ils allaient me faire perdre comme avec Aokiji. Mais non, gagné, il y avait même pas Kaku. Bon, allez, on les connaît les jeux vidéo, waouh. On a tous joué régulièrement, j'ai gagné, mais on sait tous que j'ai pas gagné. Voilà, il a genre zéro dégâts, on les connaît les bails. Non, touche pas Usopp, touche pas. Ok, d'accord, j'ai compris pourquoi on perd. C'est encore Usopp qui s'est fait victime. Oh, il a l'air beau. Faites voir un peu le chat. Oh, c'est un beau chat, il est magnifique. Il a perdu son chapeau et on est tous morts. Ouf, dans l'eau. Ah ouais, ah pas mal, ok. Bon bah ouais, on a perdu. Ce qui est étonnant. J'espère qu'on nous refile des nouvelles attaques, je sais pas, pour Enies Lobby. Je sais que normalement ça se passe pas comme ça, mais bon, pourquoi pas. Merci Sanji, toujours le plus fort, hein. Il sauve Luffy H24. Bon allez, on va à Enies Lobby, ou on va sur le train, je sais pas. On va sauver Usopp, et probablement Robin. Oh non, on est juste passé, c'était la cinématique, voilà. Bon, Enies Lobby, donnez-moi des compétences, s'il vous plaît. Je suis si nul, si faible, je vous en prie. Waouh, Robin qui voit littéralement l'inverse. N'oublierai jamais cette vue. Bah du coup, l'inverse de cette vue. Parce que la dernière fois, t'étais de l'autre côté. On a un flashback sur Ohara. Ouais. Ouais. Ah, quelle aventure. Ah, j'aurais dû mettre Usopp en Sniper King. Oh non. Bon, allez, première fois du jeu où on affronte réellement la marine et pas des agents du Baroque Works. Et ils ont des tourelles. Ils ont des Gatling. Ils ont tout. Ouais, ça peut le faire, ouais, bien sûr, on va survivre, ouais, tranquille. C'est quoi ce mec? C'est un vice-amiral? C'est quoi? Je veux le fumer. Oh, c'est juste un officier avec une Gatling. Oh, c'est classique, ça, on connaît. Et pourquoi tu tires sur Luffy? Pourquoi Luffy prend des dégâts d'une Gatling? C'est des balles en Kairoseki, c'est obligatoire. Pourquoi il y a des mecs de Impel Down ici? Bon, bah, pourquoi pas, on va les éclater. Ou alors, je vais juste me faufiler. Ouais, c'est une bonne idée, juste me faufiler très loin. Je sais pas où je suis. On se croirait dans Dark Souls avec... cet éclairage très sombre. Qu'est-ce que tu paragouines, Sanji, quoi? Ouais, partons. Ouais. On est déjà à la fin. Il y a un long couloir, mais... il me semble que le long couloir que Robin traverse, justement, c'est juste avant la fin. C'était rapide. Eh, mais il y a Kaku! Let's go! Kaku! Salut! Moi, c'est Kakum. Voilà, chacun son nom. Moi, j'ai juste un M en plus. Allez, la girafe. On s'affronte. Transforme-toi! Utilise ta forme finale. Le voilà. C'est Minecraft. Bienvenue. Waouh. Ouais, il est... Ouais. Il est là, quoi. Luffy l'avait jamais vu se transformer, je crois. Ok, let's go. Combat de boss. C'était rapide. Alabasta, ça m'a pris 7 heures. Enies Lobby ou Water 7, je crois que ça fait genre 2 heures que j'y suis. On est déjà quasiment à la fin. Allez, let's go. On le fume et après on fait Lucci. Dommage qu'il n'y ait pas genre Jabura ou qui que soit d'autre. Parce que, après, bon, le jeu a quand même pas mal de budget, mais je pense qu'ils ont manqué de budget sur certains personnages secondaires, parce qu'il y en a pas beaucoup, généralement. Allez, Zoro, mais lui, il a la même technique que dans l'animé. Let's go. Et par contre, Zoro est pas efficace contre Kaku. Donc, étonnant. Je pensais qu'il ferait en sorte que les personnages qui ont déjà vaincu, voilà, ils auraient l'avantage, mais pas du tout. Kaku est pas type épée, il est type combat. Est-ce que tu peux le vaincre, Zoro? Ah, allez, plus qu'un coup, tu peux le faire. Si tu le bats, on a de l'XP, Zoro. J'ai besoin de cet XP. J'en ai besoin pour ce petit shot de dopamine, là, à la fin du combat.
Let's go, Ashura, et en vitesse x2. Bam. Ok, GG Zoro, c'était facile. Je pense que j'ai effectivement très bien stuffé mes persos. Ok, let's go. Allez, on rush le jeu, on s'en fiche ici. Je suis stuffé comme un dieu. Pourquoi t'es moche comme ça, Spandam? Il est... Je crois qu'il a mis le haki sur tout son corps. Que s'est-il passé? Spandam, le roi du haki. Incroyable. Le haki sur tout le corps, dont les cheveux. Ses cheveux sont plus durs qu'une batte de baseball. Attends, qu'est-ce que... Mini escargot... Pourquoi... Comment... Spandam, genre... Comment t'as fait? T'étais en train d'utiliser un escargophone. Comment t'as fait pour aller activer l'autre qui est doré et en donner un Buster Call? Tu peux pas te tromper comme ça. Si à la limite t'avais essayé de passer un appel. Mais là non, tu passais déjà un appel. Pourquoi t'es stupide? C'est quoi ton problème? Il faut qu'on fuit. Ok, trouve une échappatoire. Bah j'aimerais beaucoup. Bah du coup je suis Usopp. Let's go. Et Franky est dans la team. Ah mais il est en personnage bonus. Bah oui, je peux pas l'utiliser. Ah ah, tiens, il y avait une sortie dans cette même cellule. Vas-y Usopp, enfuis-toi. Phase d'infiltration avec Usopp. Ce qui va être extrêmement facile, sachant que je m'infiltre depuis déjà des heures. Les ennemis n'arrivent jamais à m'attraper. Pardon, excusez-moi, je prends le coffre. Voilà. Merci de t'arrêter pendant que j'ouvre un coffre. Non. Il m'a eu. Ah bah, nous voilà dehors, effectivement. Il y a déjà les gens du Buster Call. Bon bah, à nous de jouer. Ah, il y a de l'eau et tout. Oh, sympa. Eh, hey, c'est cool. Je vais rester là et je vais observer. Bon, allez, on s'arrache. On éclate Lucci et on aura gagné. Il y aura plus qu'à revenir dans le monde normal. Ça aurait été tellement rapide. Agnes Lobby, le meilleur arc du jeu pour l'instant. Ah, c'est l'heure. Il y a une cinématique. Ah, Lucci, c'est l'heure de débloquer le Jet Gatling. Et je pense pas le Gear Sword. Ah, vraiment, je pense Gear Sword, ce sera Marineford. Ou alors à la fin, là. Je sais pas. Vas-y, Gatling. Ouais, mais tu vas te faire éclater, frère. Ouais, passe au moins au Gear Secondo. Vas-y, Luffy, c'est l'heure. Gear Secondo. Allez. Oh non, mais il est encore KO. Luffy, tu forces. Ok, let's go. Combat de boss. Lucci, est-ce que Luffy est avec nous ou est-ce qu'il est KO? Pourquoi Luffy n'est pas avec nous? Quoi? Ah, c'est un combat sans Luffy. Du coup, je suppose qu'on aura un 1v1 après. Ok, let's go. Vas-y Zoro, montre-lui un peu pourquoi t'es le numéro 2 de l'équipage. Bam. Oh, 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 oh. Ouais, Chopper, Chopper. Un max de dégâts. Oh, il est fort. Ah, il est fort, il est fort. Ok, je peux le gagner ce combat, j'ai rien dit. J'ai eu peur parce que Robin avait pris cher, mais c'est normal. Elle était désavantagée. Sanji et Chopper, c'est l'inverse. Ils mettent des gros dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Usopp. Usopp. Le dieu parmi les dieux. Son Geking en personne. Vas-y Luffy, relève-toi, c'est l'heure. Gear Secondo, let's go. Vas-y, ouais. C'est fini Lucci, t'es mort. Ah, il a les éclairs, ok, là c'est le vrai fight. Let's go. Je suis en Gear Secondo pendant tout le fight? Ou alors juste je commence en Gear Secondo? C'est pas important, de toute façon je peux y passer facilement. Allez, on refait la même chose. La même chose, oui. Sanji, tu mets des gros coups de pied sa mère. Chopper, tu mets des grosses claques sa mère. Et Nami, t'es là et tu fais ce que tu peux parce que toi t'as pas l'avantage. C'est l'heure Luffy, achève-le. Jet bazooka, bam. Et il est KO, il a encore juste trébuché comme Croco. Allez, c'est bon. C'est fini pour Agnes Lobby. Et qu'est-ce qu'on va gagner comme attaque? Moi c'est ce que je veux savoir. Ah non, attendez, je saute des étapes. Avant ça, Jet Gatling et on voit le mairie. Oh, ah, Luffy va prendre cher. Ouf. Non, c'est bon, c'est bon. C'est un maître du haki maintenant. Il va se relever. C'est un pro. Vas-y, Luffy. Relève-toi. Jet Gatling. La meilleure technique de tout One Piece. Et je le pense vraiment. Ouais. Oh, la pause. Allez, let's go. Et je vais pouvoir la débloquer. Je vais devenir le dieu parmi les dieux. Ah, il prend des claques. Allez, hop. Bam, bim, boum. Une petite baffe, une petite baffe. Et là, ah ouais, là, là c'est plus qu'une petite baffe. Là, c'en est 40 millions. Ah bah c'est fini, bah Jet Gatling, d'accord, c'était moins épique que dans l'animé, on fera avec. Où est passé Lucci? Je crois qu'il a juste disparu. C'est comme les ennemis dans des jeux normaux où il a juste disparu dans un pouf de fumée. Allez, on s'arrache, vite. Ouh, il y a des explosions partout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les soldats s'en vont? Qu'est-ce que... Y'a Okiji qui va se pointer? Ou Kizaru, je sais pas, est-ce qu'on fait l'arc avec Kuma et tout? Ah non, ils veulent juste casser le pont. Oh, ils sont pas drôles. Ouais, le mairie, le voilà. C'est parti. Allez, et du coup on va revoir sa mort. Ah ouais. Allez, c'est reparti. Encore. Ouais, 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 la cinématique et tout. Waouh. Allez, au revoir Mary. On ne se reverra plus maintenant. C'est fini. Aïe, aïe, aïe. Ils font exprès de nous briser le cœur dans ce jeu. Ah, et maintenant on a le Sunny. Let's go, on y va. Il a l'air tout petit le Sunny. Je sais pas, les portes, mais on passe pas.
Ils sont un peu trompés sur les proportions, parce que là, bon, bah, c'est chaud, quoi. Ça, c'est la chambre de Chopper, visiblement, parce que, bon, bah, je sais pas qui pourrait y rentrer. Allez, c'est parti, on absorbe le cube. Ah, allez, Gear Sword. Je parais que c'est du petit Gear Sword pour Luffy, là. Alors, jet pistol, giganto pistolu. Ok, donc on a du Gear Sword. Et après, je peux upgrade toutes mes autres attaques. Et c'est tout. Ouais, ouais. Je veux juste voir le Sunny. Ok, est-ce qu'on peut pêcher Brook? Parce que... On l'a pas vu depuis le début du jeu, c'est quand même inquiétant. Mon corps est toujours au fond de l'océan. Il s'est probablement totalement désagrégé. Ah non, Franky, vient pas. Bah ouais, il est trop fort. J'y peux rien. Il est trop haut niveau pour moi. Bon, au moins, le Sunny est de retour. C'est déjà pas mal. Ok, allez. Non, laissez-moi finir. Bon, on verra toutes les révélations la prochaine fois. Et avec Marineford, ça va faire un sacré arc. J'ai hâte de pouvoir me balader littéralement à Marineford. Ça va être bizarre, mais ça va être fun.